Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Caisse Média et bienvenue, n'est-ce pas, dans cette émission de Reach Out to the Community. Nous venons de créer cette émission et aujourd'hui, nous reçoit dans son bureau, c'est Monsieur Jean-Pierre Basic Bikay, qui est expert comptable et nous allons lui donner, n'est-ce pas, l'occasion de se présenter et de se présenter intégralement, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces casquettes-là que lui-même y porte. Alors, bonsoir Monsieur Jean-Pierre et bienvenue sur cette émission, n'est-ce pas, de Reach Out to the Community. Bienvenue et bonne soirée Monsieur Kemayou. Moi c'est, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Pierre Basibikay. Je suis expert comptable. Diplômé dans le state, dans l'état du Maryland et dans le district de Columbia. Donc, je suis un propriétaire d'entreprise. Cette structure, c'est un cabinet comptable que j'ai créé il y a pratiquement 5 années de cela. Donc, en dehors d'être expert comptable, je suis aussi notaire. Donc, je suis là pour assister la communauté, quoi. Voilà. Et jusqu'ici, quelles sont les difficultés que vous trouvez en faisant ce métier? Oui, vous savez, tout métier a ses risques. Donc, les difficultés, il y en a assez. Par exemple, maintenant où nous vivons un monde où on nous parle de la cybercriminalité. Oui, donc c'est l'un des enjeux et en tant que... En fait, opérateur économique et surtout travaillant beaucoup avec les informations des individus, c'est autant de risques que nous courons tous les jours. Mais gloire à Dieu, jusque-là, il n'y a pas eu d'effet majeur parce que nous prenons toutes les dispositions à notre niveau pour empêcher, n'est-ce pas, de tomber dans un piège. Voilà. Le but de cette émission, c'est creuser au fond. Vous êtes expert comptable. J'aimerais savoir, pour un jeune immigrant africain qui vient aux États-Unis, nouvellement venu, qui aimerait postuler, n'est-ce pas, dans cette même lancée que vous avez pris, comment est-ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à votre niveau? Oui, c'est très simple. C'est un pays assez accueillant. Et ne réussit ici que ceux qui veulent réussir. Parce que d'abord, il faut avoir cet élan, il faut avoir cette envie. Et comme nous le disons tout le temps, c'est un pays d'opportunités. Donc ici, chacun fabrique son opportunité et il suit, n'est-ce pas, les traces pour arriver au bout de cette opportunité. Donc pour les jeunes Africains qui viennent, ce que je vais leur demander en premier lieu, c'est d'abord d'avoir des ambitions. Une fois que tu as des ambitions... Tu assigneras le travail et les résultats seront là. Mm-hmm. En fait, c'est ça mon secret à moi. Voilà. Et un conseil particulier alors à ces jeunes Africains qui voyagent, n'est-ce pas, en venant dans ce pays, ils ne se préparent pas, ils ne connaissent pas la réalité, n'est-ce pas, des États-Unis. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, leur donner comme conseil? Et même à ceux qui sont déjà sur le terrain, mm-hmm. qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, comme parole de motivation pour rester, n'est-ce pas, dans la cadence, n'est-ce pas, de la réussite? Voilà. Donc, je dirais d'abord que dans ce pays, le travail paye. Et c'est un pays où, généralement, les gens croient qu'ils peuvent brûler les étapes. Non. Ici, il faut suivre le chemin. Et quand tu suis cette voie, ce que tu dois faire, c'est déjà de rester dans la légalité. Et étant donc dans la légalité maintenant, essayez de côtoyer ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que, en fait, pour que je crée cette structure et pour qu'elle évolue telle qu'elle est en train d'évoluer, je me rapproche de ceux qui ont fait dans ce domaine. Je me rapproche de ceux qui ont fait dans les affaires. Je te parlais tout à l'heure que j'ai été à un séminaire de pratiquement 7 jours dans le Détroit. C'est un manque à gagner énorme mm-hmm. d'y aller parce que déjà, les frais d'inscription pour ce séminaire, c'était pratiquement 1 000 $. Mais voilà là où on va pour apprendre. C'est là où on va pour, ça veut dire que apprendre à gérer. Ouais. Voilà un tout petit peu ce que je vais dire par rapport à ce point. C'est que bon, il faut se mettre. Et il faut se mettre entièrement et le reste, Dieu fait. Voilà. Et aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct, si les gens veulent, n'est-ce pas, vous contacter,
quels sont le meilleur numéro ou encore le moyen pour vous contacter? Oui, déjà, je suis très ouvert. Et plus particulièrement pour ceux qui veulent des conseils, ceux qui arrivent nouvellement dans ce pays et qui veulent des informations sur comment entrer et sortir pour réussir, je suis tout à fait ouvert. C'est des informations que je donne gratuitement. Donc, ils sont libres déjà de me contacter. Déjà, j'ai mon téléphone du bureau 301-956-8600. Et ils sont aussi libres, n'est-ce pas, de me joindre par email. info@basactaxservices.com et s'ils veulent beaucoup plus d'informations par rapport à ma structure et par rapport à en fait tout ce que je rends comme service ici là, ils sont libres d'aller dans mon website qui est www.basactaxservices.com. Voilà, merci monsieur Jean-Pierre et merci surtout pour n'est-ce pas avoir accueilli n'est-ce pas l'équipe de Caisse Média dans ces grands bureaux qu'on va l'appeler comme ça et surtout bonne chance à toi, bonne chance pour la compagnie que vous avez mis en place et surtout ne cessez pas d'encourager les Africains, les fils africains qui arrivent n'est-ce pas nouvellement dans ces pays parce qu'ils en ont besoin et c'est pour cette raison que nous avons n'est-ce pas créé cette émission pour inspirer les gens, pour leur donner les informations par rapport à la vie active même ici aux États-Unis. Nous allons tout simplement dire merci de nous avoir accueillis ici et bonne chance à toi. Merci aussi M. Kemajou pour l'honneur que vous m'avez donné, n'est-ce pas, en venant dans mon bureau et pour avoir des informations me concernant. Donc je dis déjà, je vous encourage parce que je suis ici dans ce pays depuis pratiquement 12 à 13 années, mais je vous connais depuis pratiquement 8 ans. Donc, vous avez commencé, ça veut dire que vous avez un chemin. Ouais. Vous avez, ça veut dire que un parchemin que vous suivez. Et si aujourd'hui, vous êtes allé de l'étape, n'est-ce pas, de photographe simple à l'étape où vous êtes en train de, ça veut dire que de rendre un service aussi important à la communauté, je vous dis, je vous tire chapeau. Ça suppose que, en fait, nous avons des gens sur qui nous pouvons compter. Et puis, comme nos parents disent souvent, lorsque nous partons de l'Afrique pour ici, nous supposons que nous sommes en guerre. Ouais. Et lorsque tu viens en guerre, ce que tu fais, c'est que tu dois t'armer. Et l'arme, c'est quoi? C'est que tu dois être prêt à tout moment, n'est-ce pas? Ça veut dire que à donner, n'est-ce pas, ouais, un sens à ta présence ici, là. Voilà. Et pour cela, je te tire chapeau. Merci beaucoup, merci monsieur beaucoup. Jean-Pierre, et bonne chance à toi et courage. Merci. Mesdames et messieurs, c'était, n'est-ce pas, l'émission de Reach Out to the Community, nouvellement créée sur Caisse Média, et nous vous disons tout simplement, restez scotchés pour le next stop. Alors, bonsoir à vous.